Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne YouTube de l'Alsacienne indépendante. Cette chaîne vous permettra de découvrir des extraits en avant-première de nos publications. Donc pour aujourd'hui, ce sera Elle de la Rane, le premier tome de Mélodie Or. Je vous mettrai la description et les caractéristiques du livre dans la description de la vidéo. Donc là, je vais vous lire les premières lignes du prologue, donc les toutes premières lignes du roman. Des nuages noirs s'amoncelèrent dans le ciel auparavant d'un bleu pur. Des éclairs rouges crépitaient à l'intérieur de la masse venteuse et un grondement menaçant éclata. En contrebas, sur un chemin escarpé d'un pan de montagne, un carrosse d'allure royale filait à toute vitesse, ses roues touchant à peine le sol. À l'intérieur, le ventre d'une femme se nouait à chaque coup de tonnerre. Sa robe recouverte de broderies et de perles contrastait avec ses cheveux en bataille. « Il a compris, il approche », pensa-t-elle, la sueur au front. Elle ne supporterait pas un autre échec. Serrée contre elle, une fillette pleurait en silence. Elle grimaça de douleur au souvenir de ses pertes, puis enlaça davantage le petit corps. Un homme, assis face à elle, la couvait du regard. Il tenta de la rassurer. « Mon amour, nous allons réussir, je te le promets. Cette fois, il n'y arrivera pas. Dussé-je y laisser ma vie. »« Je t'en prie, ne dis pas cela. Il nous a déjà tant pris. Ne me parle pas de te perdre aussi. » Les larmes embuèrent ses yeux à cette évocation. 4 années de préparation, de crainte et de doute, pour finalement voir leur secret éventé si près du but. « On ne peut échouer, assura-t-elle. On ne doit pas. » Elle se tut, la gorge nouée. « Maman, j'ai peur, » sanglota l'enfant, qui sentait que quelque chose de grave se tramait sans toutefois en saisir les tenants et les aboutissants. Le père appuya sur un bouton à côté de son siège et le panneau de verre teinté s'ouvrit derrière la tête de son épouse, dévoilant le cocher concentré sur la route. Voilà, donc pour les premières lignes du roman de Mélodie Or, que vous pourrez découvrir le 28 novembre. Il sera disponible sur la boutique L'Alsacienne indépendante. Vous pourrez aussi le commander auprès de vos libraires indépendants, puisque nous sommes référencés sur Dilicom, donc c'est le logiciel qu'utilisent la plupart des libraires. Il sera aussi disponible en numérique sur toutes les plateformes. Donc n'hésitez pas, si ces quelques lignes vous ont donné envie d'en savoir plus, regardez nos réseaux sociaux, les pages Facebook, on publie régulièrement de nouveaux extraits, les avis des chroniqueurs. Donc voilà, suivez ça de près. En tout cas, ce roman vaut le détour. Voilà un membre de l'Alsacienne indépendante, le petit Nao. Dis bonjour. Allez, filme.